Bonjour, bienvenue pour un nouveau tableau. Alors aujourd'hui, on va travailler avec le pinceau éventail. Alors je prends du blanc dans lequel j'ai ajouté une touche de bleu céruléum et je commence à poser avec mon pinceau éventail une partie centrale. Ensuite, sans rincer mon pinceau, je prends du jaune cadmium et je viens ajouter un contraste de couleur. Et plus je m'éloigne du centre, plus je vais foncer ce jaune avec d'abord du jaune indien. Et j'ajoute une pointe de orange cadmium dans mon jaune indien pour continuer à donner des effets orangés de couleur à mon arrière-plan. Et je viens fondre tout ça ensemble. Ce fond va servir à faire des feuillages, donc on ne se soucie pas des traces de pinceau. Ça va servir de sous-couche. Je prends ensuite un mélange de bleu cobalt et de céruléum pour venir poser la sous-couche du sol. Je prends ensuite du gris de Payne, toujours avec mon pinceau éventail, et je viens poser la sous-couche qui va servir à mon feuillage. Commence déjà maintenant à apporter les premiers détails dans ma sous-couche. J'essaye de laisser apparaître des zones où on voit le jaune, des petits trous dans le feuillage. Je viens ensuite peindre la sous-couche pour quelques arbres. Je rince mon pinceau et je reprends de notre mélange bleu qui avait servi de base pour le sol. Et je viens dessiner quelques arbres au lointain. Je varie les couleurs, un peu de mon mélange orange cadmium et jaune indien. Et je continue avec mon pinceau éventail à redonner des effets de feuillage.
et je viens donner aussi quelques effets sur le sol, des contrastes dans le frais avant que le bleu ne soit sec. Avec du bleu plus foncé, avec un peu de bleu plus clair, j'essaye d'harmoniser un peu la sous-couche de mon sol. Voilà, on a posé les couleurs de base. On va maintenant laisser sécher et on reviendra pour ajouter les différentes couches de lumière quand ça sera sec. Alors, on va commencer maintenant à s'attaquer au sol. Un peu de bleu cobalt et de céréium mélangé pour tracer un chemin. Juste en frottant. Pas donner une grosse épaisseur de peinture, juste frotter comme une ombre. Et j'ajoute ensuite un peu de blanc au mélange pour être juste un peu plus clair que le fond posé sur le sol. Et j'apporte quelques effets de couleur, de légère lumière sur le sol. J'ajoute ensuite du blanc à ce mélange pour l'éclaircir encore un peu. Et je joue avec mes effets en rajoutant de temps en temps ou du bleu ou du blanc pour avoir des tonalités différentes mais sans devenir trop clair non plus. Et j'ajoute encore un peu de blanc juste pour tracer au milieu une bande un peu plus claire. Je fais un petit mélange maintenant de blanc avec un peu de jaune cadmium pour avoir un jaune très clair. Et je viens ajouter quelques effets de lumière dans mon arrière-plan. Un petit pinceau en éventail. On ajoute du contraste avec quelques arbustes noirs. On vient ensuite descendre un peu citron. Et également, donc, ces buissons.
Alors je fais maintenant un mélange avec du bleu céruléum, du bleu cobalt et une touche de blanc pour le rompre un peu, pour obtenir un bleu assez foncé. Et avec une pince suivantale, je vais commencer à venir poser les détails du feuillage. Je prends un petit pinceau éventail pour ajouter mes détails sur la partie basse du feuillage. Je rajoute du blanc à mon mélange pour obtenir un bleu un peu plus clair et je commence à monter la lumière. En laissant apparaître le bleu précédent et mon gris de peigne qui m'a servi de base. Et dans cette partie donc ombrée de ma forêt, je vais simuler la neige sur les feuillages, sur les arbres, avec différents tons de bleu. Je prends un petit pinceau fin pour commencer à ajouter des détails sur le petit sapin, sur la végétation basse. Et mon petit pinceau éventail. Ce buisson-là. J'intègre cette végétation basse avec le sol à droite et à gauche. Avec mon pinceau fin, je peux aussi commencer à ajouter des détails sur les arbres. Nous avons là maintenant fini donc la partie ombragée de notre feuillage. Alors maintenant, je vais commencer à monter un peu plus de lumière pour donner des contrastes. Donc j'ajoute encore du blanc à mon mélange et je viens ajouter
de la lumière par endroit. De la neige un peu plus éclairée encore. Je prends mon petit pinceau fin et j'ajoute aussi un peu, déjà un début de lumière sur ma végétation basse. Je commence même à faire un rappel de cette couleur au niveau du sol. Pour pouvoir intégrer la végétation avec mon sol. Je rajoute encore du blanc à mon mélange pour avoir encore un mélange encore plus clair et je continue à monter la lumière sur le feuillage de manière plus espacée. Et je continue avec mon petit pinceau éventail à ajouter de la lumière au niveau du sol.
consultation. Voilà, maintenant que mon sol est bien sec, je prends du blanc de zinc avec une petite pointe de jaune indien. Ce blanc de zinc qui va devenir transparent au séchage, je viens le frotter sur le sol. Donner un effet atmosphérique. Et je fais la même chose avec du blanc de zinc et un peu de jaune cadmium. Voilà, j'ai laissé sécher mon effet un peu atmosphérique sur le sol. Et maintenant, je reviens avec du blanc de zinc avec une petite pointe de bleu pour rompre un peu ce blanc. Juste quelques touches. Je prends ensuite du blanc de titane avec une toute petite pointe de jaune cadmium dedans pour le rompre aussi. Et avec un couteau à peindre, je viens l'appliquer en épaisseur. Et je viens remettre donc mon effet de lumière au sol par-dessus mon effet atmosphérique. Et je viens redessiner, repeindre par-dessus ma végétation. Voilà, notre tableau est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain tableau.